Fala galera, jeudi a c'est 24 avril 2020, gros dégâts, 5 fêtes dans le pays Brésil. 24 avril 2020, nous mettons marqué date ça parle côté un pile dégâts dans la politique Brésil et surtout ça parle affecter tout haïtien, spécialement étranger qui fait à rentrer au Brésil. C'est pour mettre sa fête dans le monde là, ou bien spécialement dans le Brésil. Depuis que après seulement une semaine que ministre santé quitté le gouvernement dans période maladie COVID-19 a fait ravage dans tout le monde là, et immédiatement une semaine après et mon responsable sécurité publique le ministre justice Brésil là qui c'est Sergio Moro, monsieur fait quitter gouvernement Brésil là. Donc président en panique l'a brûlé dans le ministère de la justice pour intervenir. Immédiatement, le ministre lui-même, la justice, a fait une déclaration qu'elle démissionnait. Et tout petit, nous parlons de qui raison qui fait le ministre de la justice là, fait quitter le gouvernement Brésil là, et pour qui ça, ça va affecter sur tout étranger qui vient au Brésil, spécialement nous-mêmes qui sommes haïtiens. Restez sur channel là, restez sur poursuivre vidéo ça, on regarde l'ensemble, pas oublier partager, likez le, vous pouvez le sur tout Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram, pour capable gagner plus d'informations, surtout sur channel ça qui c'est channel Pam Manassé Benoît. Bon, hier fait exactement 8 jours depuis président Brésil là qui c'est Jair Messias Bolsonaro, tu as une réunion avec ministre justice là pour être capable parler sur sécurité publique. Bam diou en passant que ministre justice Brésil là, c'est yon nan moun qui pi populaire dans tout Brésil depuis l'été gen élection en Brésil. Après nous, président Jair Bolsonaro qui était plus cité, c'était nous, Sergio Moro, qui était plus cité. Pas oublier, nous, tout haïtien, depuis tout petit, élémentaire de moyen, et n'a étudié président Lula, Inácio Lula da Silva, qui était un ancien président Brésil, qui était un gros et chef d'État Brésil, qui était gagné 8 ans sous pouvoir, t'as dirigé, parti là, t'as fait 16 ans, lui-même seulement, t'as dirigé. Donc, ça, c'est un gros bagage lié. Donc, Brésil, lui-même, t'a passé une grosse situation, qui c'est lui-même, Sergio Moro, qui t'a arrêté président Lula Inácio da Silva. Nous tous connaissons, nous t'étendons ça, ça t'a porté un gros tollé ce dernier mois, où t'es là, qui est président. C'est monsieur lui-même qui t'a arrêté président Lula. Président Bolsonaro vient élu, il vient remarquer que Sergio Moro a un monde de confiance dans le gouvernement. Monsieur t'a invité Sergio Moro, qui était ministre de la justice Brésil, qui révoquait tête le jour d'hier. Il est pour l'inviter pour le ministre de justice dans le gouvernement. Donc, monsieur lui-même, je n'ai pas de critique qu'il pas doit quitter la magistrature. Monsieur, c'était un gros magistrat qui a créé un système qui était le lavajato, qui a lavé tout le monde qui était dans la corruption. Monsieur prend prime comme moun nan toute Amérique latine qui était plus gros juge, plus gros magistrat pour te arrêter moun. Pas oublier monsieur le même son gros poteau et garçon, monsieur étudié aux États-Unis dans Harvard University, monsieur le même li étudié en Italie, monsieur étudié la France dans plus gros faculté dans monde là, monsieur gon paquet de connaissances surtout sous affaire justice pour arrêter bandits, pour contrôler drogue surtout dans route nationale. Très important pour nous connaître ces informations. Je vous ai porté tout bas. Après une semaine, le ministre de la Santé a quitté le pouvoir, mais quitté le gouvernement Brésil, le gouvernement Jair Bolsonaro. Monsieur quitté l'allée, ils font craser ça. Donc, c'est le président qui a voué l'allée. Et dernièrement, matin, gros journal sur CNN, sous journal Globo, sous CNN, qui c'est gros journal, sorti que le président Brésil lui-même, lui démissionné, lui voué aller. Gros directeur qui était là, chargé pour te résoudre problème sécurité, qui était gros ami ou bien qui était gros monde de confiance, ministre justice là. Donc, je dis qu'il s'est passé un président te parlé avec ministre justice là pour le dévoyer. Directeur ça allait, ministre pas d'accord. S'il voulait aller, donc ministre te dit, les menacer les mêmes pour quitter charge lien pour le pas ministre Brésil et de la justice encore. Très important, monsieur lui-même fait gros déclaration matin, ministre justice là, Sergio Moro, m'se fait un pile gros déclaration matin sous président pays, qui te besoin d'accès avec relatoire, avec relation
tout ça qui t'a mené en d'un ministre pour te connaître qui ça qui t'a mené sous monde qui a arrêté sous droit qui a pris. Pas oublier ministre la justice brésilien monsieur qui c'est Sérgio Moro, monsieur fait pile, monsieur bat record dans affaire monde qui a ramassé zame, monde qui a arrêté plus gros bandi. Ou même qui pas connaître Brésil gagne un gros système bandi qui même gagne plus zame que police nationale là, qui même gagne plus pouvoir que ti police militaire qui dans la rue. Oui, donc monsieur lui-même il bat record dans arrêter moun sa yo. Pas oublier moun était gon gros chef bandi groupe qui relait PCC, groupe ça c'est plus gros groupe bandi qui vivent dans Brésil, même gouvernement père groupe ça, monsieur lui-même li arrêté chef bandi PCCA qui gagne 20 ans depuis le dans marron et monsieur tout lui-même ménage sur Sergio Moro, monsieur bat record dans ramasser zam dans ramasser drogue qui c'est cocaïne qui c'est maconne dans tout Brésil. Donc ça très important pour te connaître, monsieur fait un pile miracle, c'est ça que un pile monde dit. Monsieur supposé quitter pays ça, si président capable faire dégâts ça le faire, lui révoquer directeur. Donc monsieur le pote ça l'aller. Donc monsieur t'a supposé quitter pays à toute famille à vivre l'autre côté que pays Brésil pas gain futur encore. Les petits gros dégâts qui va affecter les petits gros dégâts qui va affecter étrangers surtout les haïtiens. Parce que nous travaillons au Brésil, nous prenons problème à changer en dollars nouveau en Haïti. Dans tout pays dans le monde, là, si le système politique, là, si la classe politique, là, pas lui-même en paix, toujours des dégâts qui fait, le ministre a quitté le gouvernement, le problème lui-même, il a toujours monté économique, là, il n'est pas stable. Économie, il n'est pas stable. Donc si l'économie n'est pas stable, ou même quand ou pas travail dans tout du jour, les problèmes montent comme ça, ou pas l'obliger à changer plus scope pour capable jeune soit besoin pour voir à jeune femme. Non, c'est ça, me dit, Haïti prenne un show. Non, si vous pensez un pile, information ça vous gagne, surtout dans des postes que nous faisons pour nous comment pour nous capable gérer tête, non, économiquement parlant, pour nous capable régler les affaires, non, bien, pour ne pas crier, pour ne pas regretter, j'en ai dépensé l'argent. Merci beaucoup à vous-même qui avez regardé cette vidéo, ça. Partagez, faites le marché pour vous être capable de gagner plus d'informations sur le channel, ça. Merci beaucoup à vous-même qui avez regardé cette vidéo, ça. Partagez, likez-le, surtout à l'inscrire sur le canal ça qui c'est Manassé Benoît. Fala galera!